Chers amis, Shalom uvracha ubeshem Hashem naase venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 août et le 16 du mois de Av. Je suis racheté ce matin par Rachel. Hashem bevrech ota bechol asher la lechem tovim ushalom. Toda rabba Rachel d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme d'une tzedeket partie trop tôt. Esther ani batzara zichrona livracha. Elle aimait Israël de toute son âme et qui a toujours fait du bien autour d'elle. Isha tova. Isha shebehemet, Akadosh Baruch Hu iskor ota tamid beezrat Hashem itbarach, que son souvenir soit béni. On va commencer notre premier shiur, bien sûr, en pensant à tous nos chatoufim, tous nos chayalim, shashem ishmorotam vechayehem beezrat Hashem levetam brim ushlemim, et que Akadosh Baruch Hu itan lanu kol mishalot libenu lavodatu itbarach. Qu'on ait que de bonnes nouvelles et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances beezrat Hashem itbarach. Une grande refouah shlema pour tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, Kolam Israël, Chai Vekayam. Et on commence notre shiur avec un sujet que j'avais envie de partager avec vous, dit de façon différente d'autres shiurim. C'est un shiur qui parle des amis et puis des connaissances. Dans une génération comme la nôtre, il est très très difficile de vivre, pour ceux qui ont connu les années précédentes, la génération d'avant, dans les années 80. Alors il y avait des similitudes sur certains points, mais on peut dire qu'aujourd'hui, les choses ont réellement changé. À cause de l'individualisme, à cause de l'égoïsme, la déception, la sensibilité extrême dans laquelle nous vivons tous d'une certaine façon, ce qu'on est en train de vivre, on l'a rarement vécu. Cette haine de façon générale, cette antilogique, c'est impressionnant ce qu'on vit. Tu ne penses pas comment donc automatiquement tu es un ceci ou un cela. Les définitions qu'on donne à celui qui est différent de moi. Par exemple, si je suis nationaliste, c'est-à-dire si je pense d'abord à ma nation avant de penser à l'étranger qui vient vivre dans ma nation, je suis d'extrême droite. Si je suis social, par exemple, je suis quelqu'un de social et que je veux penser à tout le monde, alors pour les capitalistes, je suis d'extrême gauche. On rentre dans un délire. On est dans un monde où le manque de logique, d'objectivité est en train de partir. Le problème qu'il y a, c'est que ce problème qui part et qui s'effrite rentre comme une espèce de virus à l'intérieur humain, à l'intérieur même des valeurs les plus importantes de la vie. Notre famille et nos enfants. Notre famille et nos amis. Et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous ce matin, avec l'aide d'Hachem, pour partager quelques petites connaissances, ou plutôt études sur ce domaine, qui nous touche tous à des degrés différents. Donc il y a des familles où ça touche plus, d'autres moins. Certains ne sont peut-être même pas concernés, quoique cela m'étonnerait quand même, mais tout peut arriver dans la vie, grâce à Dieu. Il y a toujours des exceptions à la règle. Moi, je parle de l'ensemble des choses pour lesquelles il est facile de comprendre que la Torah ne peut pas exister sans cette particularité d'arriver à la Ahdout, l'unité. Le Beth Amikdash, nous venons de pleurer le 9 octobre la perte du temple de la 1956e année. Combien d'années nous faudra-t-il pour sortir de ce nombre, de ce chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année, alors que la seule chose à faire, c'est de vivre en paix les uns avec les autres. Et on n'y arrive pas. On est en guerre. Ce matin encore, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il ne parlait pas avec quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, mais pourquoi il ne te parle pas? Il m'a dit, je ne sais pas. Il y a une espèce de haine gratuite. Il y a une espèce de compétition. Il y a pire que ça encore, je trouve, que nous sommes dans une génération à la veille des slichot. On devrait peut-être commencer vraiment à se remettre en question. C'est qu'on n'a plus de problème de kiffer un truc, par exemple, même si je sais que l'autre va en pleurer. Un petit exemple, une amie est avec une personne en chidour, ils tombent plus ou moins amoureux l'un de l'autre, mais ils ne s'entendent pas. L'ami de la fille rencontre ce garçon et ils se plaisent, et sans en parler d'abord à l'autre, sans lui dire « Regarde, t'as fini avec lui, donc il est libre, t'es pas marié, il n'y a pas... » Mais avoir une discussion d'amis, puisque c'est une amie, si c'est une étrangère, j'ai trouvé, je te dois rien. Mais si c'est une amie... et que tu viens, tu sors avec ce garçon, et que tu fais ce chidour avec lui, alors qu'il vient à peine de casser avec l'autre, et peut-être ils allaient reprendre, toi tu viens, tu casses ça, tu enlèves ce doute. Vous savez ce qui est très dommage?
ce qui doit passer sous la roupa arrivera sous la roupa. Ce qui est très dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion préalable avant. C'est que la fille, elle s'est confiée à son amie, et elle se trouve trahie. Je t'ai dit ce qui n'allait pas, ce qui allait, tu as conclu des choses et tu me plantes derrière. J'ai eu la même chose il y a à peu près 3 ans avec une personne qui est venue me voir au Beth Midrash et qui m'a dit il faut que je vous parle, je suis détruit. Je lui ai dit, écoutez, il faut prendre rendez-vous en général, là je m'en vais, j'ai des cours à faire. Et j'ai vu que dans ses yeux, c'était une catastrophe. Je lui ai dit, Makara. Il me dit, voilà, en 2 mots, c'est pas compliqué, j'ai un ami depuis très très longtemps. Je lui ai parlé d'un projet. Un projet que j'ai vraiment mis à point, Kacher la Méhadrine, super projet. Et je lui en parle parce que je veux lui faire participer d'abord à mon bonheur. Et puis, je lui ai même dit, si j'ai une place pour toi, je te prendrai tout de suite. Ça peut être un super budget, tout va être bien. Le lendemain, il va prendre à la banque ce qui me manquait, c'est-à-dire l'argent nécessaire, et il monte mon projet, alors que c'était mon meilleur ami. C'est ce qui ne va pas dans notre vie aujourd'hui. Ce qui ne va pas dans notre vie, c'est qu'on n'a pas de problème. Par exemple, quelqu'un vient pour louer une maison. Louer une maison. Il voit qu'il n'a pas l'argent pour le louer. Toi qui es derrière, et qui peux louer cette maison, attends qu'il parte, qu'il ne voit pas que sous ses yeux, quelqu'un, lui, peut payer. Tu arrives à la banque, avec une belle somme d'argent. Tu as du monde qui attend pour prendre peut-être 200 shekels pour compléter des courses. Demander 200 shekels de découvert à la banque. Sors pas tes liasses devant eux. Sors pas, arrête. Montre pas. Réalise. Réalise qu'il y a du monde. Réalise que ça peut faire mal à quelqu'un. Réalise. Le jour de Yom, Rosh Hashanah, on dit Anistarot Lashem Elokeinu Vaniglot Lanul Vanenu Adolam. Il y a les fautes que l'on fait, dont on se souvient. Et ces fautes-là, comme on le sait et qu'on s'en souvient, on peut les réparer. Mais il y a des choses qu'on fait. Tu passes, tu craches par terre. Excusez-moi pour le mot employé. Et tu continues ton chemin. Une femme enceinte vient juste derrière, elle voit ça par terre. Ça lui fait mal, ça lui fait vomir, ça la dégoûte. Ce mal qu'elle va subir, alors que toi, tu es déjà à 100 mètres devant, toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Ça aussi, ça se paye. Si ça, ça se paye, combien on devrait faire attention à ce que l'on sait alors qu'on est devant et qu'on voit l'autre souffrir parce que nous, on a pu avoir ce que lui n'a pas pu avoir. Prends ce qui t'est dû, mais prends-le dans la pudeur. Prends-le dans la tzniout. Si vous saviez combien ce moussard doit être partagé aujourd'hui, Hachem Shmor Virachem, de combien aujourd'hui je vois sans problème. Que les gens n'en ont rien à faire. Alors voilà ce que je vous ai noté pour ne pas trop m'attarder. Il est très important, certes, d'avoir des amis et être bien entouré de sa famille, car ils représentent notre réel et la plus importante de toutes les richesses de ce monde. Comme le dit le roi David, Inematov Umaneim Shevet Achim Gam Yahad. Quand Dieu voit des familles ensemble, s'aimer, passer des vacances ensemble, se sourire, s'entretenir, les enfants qui crient papi, papi, de partout, le Créateur du monde se délecte de ce genre de choses. Combien Dieu, il aime ça. La société qui nous entoure est un réel baromètre sur le niveau de nos valeurs morales et de notre judaïsme. C'est-à-dire que ce que je vous lis là maintenant, c'est ce que j'ai écrit hier soir sur ce que je vois de mes études. Et quand je lève la tête à l'horizon, que je vois ce qui se passe autour de moi, en tant que rav de Keïla et sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que je me rends compte, j'exprime certainement ce qu'exprime énormément des centaines de familles, certainement, à l'exception de la règle. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que le baromètre, c'est-à-dire si je veux savoir réellement, c'est facile à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais est-ce que tu le vis ? C'est facile de parler d'humilité, mais est-ce que tu appelles ? C'est facile de parler du respect des parents. Respect des parents. Aujourd'hui, c'est les parents qui doivent appeler, les parents qui doivent s'excuser, les parents qui ont honte, les parents. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Vous savez combien de fois j'ai entendu le mot des parents qui m'ont dit « Rav Tuitou, mais j'ose pas parler avec mon fils, j'ose pas parler avec ma fille, mais ma fille me raccroche au nez. » Mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Je parle pas une fois de plus de parents toxiques. Je parle pas de psychopathes. Je parle de parents normaux. Où on prend la gentillesse de cette génération pour de la faiblesse.
Et le pire, c'est que je me rends compte aussi autour de moi, bizarrement, que ce sont souvent les gens qui ont été le plus méchants qui, en fin de compte, ramassent le plus de fruits. Ça veut dire que tu mets sur la tête, en fin de compte, tu te fais respecter. Tu es gentil et humble, en fin de compte, on te marche dessus. Le seul avantage qu'on a dans ce genre de situation, c'est que, un, on travaille notre humilité. Dieu, on a des arguments pour 120 ans. Voilà, maître du monde, moi j'ai fait du bien, on m'a rendu le mal, j'ai pas rendu le mal. Donc devant Hachem, tu t'en sors au Yodel, au Géinam, tu passes au Gan Eden parce que tu as été humble, parce que tu as reçu Béahava, ce manque de gratitude, ce manque de savoir-vivre de certaines personnes à qui tu as donné ton cœur dans leurs mains et qui n'ont pas hésité à le froisser jusqu'à le jeter à la poubelle comme un vulgaire papier qui n'avait plus son droit à l'existence. Ah, comme le dit la Mishnah dans Maseret Avot, je crois que c'est Mishnah Yud Gimel, Perek Gimel, si je me rappelle bien. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Donc on dit que c'est un baromètre, le fait de vivre en société. Celui qui est aimé des hommes, sache qu'il est aimé de Dieu. Mais c'est-à-dire quoi, il est aimé des hommes? Il est agréable à vivre. Kol Sheruach Abriot Nochaimenu, Ruach Abriot. Quand on le voit, c'est pas comme des stars ou des chanteurs où il y a des millions de personnes qui regardent. Non. Celui que quand on voit, on dit « Ah, lui, il me fait du bien. Lui, c'est quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un qui a simplement les bras ouverts. Il a le cœur ouvert. » Alors, lui est aimé de Dieu. Seulement, voilà, comme tout le monde le saura, dans toute bonne chose, il y a aussi des inconvénients qui peuvent coûter très cher, voire créer un mal irrémédiable. S'il n'y a pas plus grand que la famille, plus important que la famille, s'il n'y a pas plus précieux que l'amour, et s'il n'y a pas plus fantastique que les amis, eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi des prix à payer. Car l'amitié et le partage créent et font naître des sentiments avec des souvenirs qui signeront un droit d'éternité et de rire. Voilà ce que je vous ai noté. Bon, je suis un petit peu, hier soir, j'étais un petit peu romantique dans ma façon d'écrire. Ce que j'ai constaté, c'est que la force de l'amitié est de partager, de créer des choses ensemble, d'acheter des souvenirs, vont créer et faire naître des sentiments qui ont un droit d'éternité et de rire parce que ces moments-là, on va les vivre, on va s'en rappeler. Alors que certains conflits ou mauvaises influences pourraient très vite mettre un terme à toutes ces richesses comme si elles n'avaient jamais existé. Je pense que c'est là qu'est toute la difficulté à réaliser. On peut être ami pendant des décennies. Et puis, il suffit qu'une nouvelle personne, il suffit d'une influence négative, il suffit d'une dispute, d'une déception, ou alors d'un problème d'argent, qui très souvent, là où il y a des problèmes d'argent, il n'y a plus d'amitié, je vous le confirme, arrêtez d'être aveugle. Et donc, automatiquement, il n'y a même plus de famille d'ailleurs, et automatiquement, eh bien, tout ça va rester comme si que ça n'avait jamais existé. Comme si que, quand un homme s'est marié avec une femme, qu'il a eu des enfants avec elle, fait des voyages, et puis vient le moment de la rupture. On ne sait pas pourquoi, mais c'est arrivé. Et puis, chacun va de son côté, et on espère au moins une chose, que le conjoint qui a divorcé porte le deuil de cette séparation. Je ne parle pas de couple où, malheureusement, il y a eu mi-carte-out, la fille ou le garçon était pas du tout... Il n'y a aucun bon souvenir, il n'y a aucune bonne chose. Je ne parle pas de ça. Des enfants, quand il y a eu des voyages, quand il y a eu des cadeaux, quand il y a eu de l'amour, et que la personne te remplace aussi facilement qu'un stylo qui ne marche plus et qu'on met à la poubelle, comme d'ailleurs le savent si bien faire les pervers narcissiques, te montrer que tu n'étais absolument rien dans leur existence, et toi tu es là à te morfondre en te disant mais c'est pas possible, quoi, tout ça est zéou, c'est aussi facile que ça que d'arrêter, c'est caché méode. Encore une fois, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui n'ont su créer aucun souvenir, qui ne se donnaient même pas dans l'amour, qui n'ont fait que profiter de l'argent de l'autre. On ne parle pas de ces gens-là. Eux, c'est un bonheur de se débarrasser de ce genre d'individu qui s'appelle Mikar Taout. C'est-à-dire, je t'ai pris, mais si j'avais su qui tu étais, jamais j'aurais fait le pas. Ou Freine, rester d'un coup sans nouvelles, alors qu'on a parlé tellement d'heures ensemble au téléphone, comme si on ne s'était jamais connus. Laissant activer un malaise sans réponse concrète ou qui justifierait un tel comportement. Et là, il y a quelque chose qui est très très important, c'est cette extraordinaire mise en garde sur lequel, ici, il ferait peut-être bon qu'on se remette en question. C'est vrai que des fois, on a eu des problèmes, on a eu des choses.
on a eu des conflits. Mais est-ce que ça méritait une telle rupture, une telle situation? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est logique que un mètre de dispute devienne un kilomètre de séparation? Comment c'est possible que dans cette situation où on a partagé tellement de choses, bon, alors il y a des hauts, il y a des bas. Ben, des fois, on se dispute, on va rester fâché un jour. Mais le lendemain, on fait la paix. On vient voir la personne. On parle. Il n'y a pas. Et ce qui va se passer, c'est là où je voulais en venir dans le cours. C'est que, à la maison, sur la route, en voiture, devant la piscine, dans tout lieu et tout endroit, ça ne fait que parler du Lashon Hara. Du Lashon Hara. Et ne vous prenez pas, hein, même avec des kippotes et des tzitzit, hein, du Lashon Hara et du Lashon Hara. Et on dénigre, et on renferme notre cœur, et on devient égoïste. Et on se parle, et on se chauffe l'un et l'autre. On fait des groupes familiaux, de la pure boue. Hachem Ishmor Virachem. Et après, on pleure le Bet Amigdash, alors qu'on est soi-même celui qui l'avons détruit. Car le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception, nous disent les Chachamim. C'est un grand sujet pour lui-même, que l'homme est né avec un cœur mauvais, dit la Torah à deux endroits différents, la fin de Bereshit, la fin de Noar. Yetzer leva adam ra mine urav. Depuis que tu es né, yetzerara la petarovet. La Torah et les Midot vont te permettre de mettre du bon en toi. Quand est-ce que tu vas savoir où est-ce que tu en es? Regarde ton respect des parents. Regarde ta relation avec ta gratitude. Regarde si tu es quelqu'un de humble. Regarde si tu es quelqu'un qui rajoute de l'huile sur le feu ou si tu es quelqu'un qui cherche à ranger les choses. Sonde un petit peu la vase qui est au fond de toi. Et n'oublie pas un détail. Les personnes haineuses sont très souvent des personnes qui reflètent chez les autres tout ce qu'ils sont eux-mêmes, dans leur complexe d'infériorité. Le problème des risques de l'amitié. J'espère que ce cours, en tout cas, sera partagé parce que il a une finalité, c'est pas un triste cours, c'est au contraire un cours de mise en garde parce que j'étais en train de penser hier soir au mois d'Eloul. Qu'on va retaper sur notre poitrine, il n'y a toujours pas de Géoula. Donc, Adonaselichot, et c'est reparti pour un tour. Et pardon, et tu. D'accord, mais combien de temps? Pourquoi devons-nous toujours arriver à taper sur notre poitrine en train de dire Khatanou? Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'arrêter de fauter pour ne plus le dire? C'est la question qui se pose. Puisque Kippour ne nous arrangera pas les problèmes relatifs entre un homme et sa femme, entre un homme et ses enfants, entre les enfants et les parents, entre les amis. Ça ne regarde pas Dieu. C'est un problème que Dieu nous a laissé dans nos mains, à nous. À nous de régler le problème, à nous de nous remettre en question. Les risques de l'amitié peuvent nous amener à faire du Lashon Hara ou de blesser aussi les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut aider, ou alors même réveiller l'autre. Et des fois, on peut être maladroit. Et en fin de compte, là où on a voulu aider, cela se retourne contre nous. Alors qu'il suffisait tout simplement de s'expliquer, comme par exemple, quelqu'un reçoit un coup de téléphone à propos d'une personne qu'il essaie d'aider. Et la personne au téléphone va répondre, non écoutez, il y a des problèmes, lui il a un problème peut-être récurrent, de problème d'émotion, de nervosité dû à ses épreuves, rien de mal qui est dit, mais ça peut être très mal compris. Et puis de l'autre côté, par rapport à certaines situations, bah oui, certains services sociaux sont peut-être prévenus ou pas prévenus, mais ce n'est pas la personne qui les a prévenus. Il prévient l'autre pour calmer, pour ne pas qu'elle se mêle trop de l'histoire. Et vous n'allez pas me croire. Chers amis, vous n'allez pas me croire. Il y a des gens qui sont tellement tordus de l'esprit qu'ils envoient même les enregistrements, une fois qu'on m'a raconté, qui m'a vraiment fait froid dans le dos. Ils ont envoyé l'enregistrement à la personne concernée, qui a coupé les liens avec tout le monde, puisqu'il a entendu, donc il a traduit comme lui. Ah, donc moi j'ai un problème récurrent, ah, donc telle et telle personne est prévenue, c'est donc tu me plantes dans le dos, mais pas du tout. Je t'ai pas planté, je t'ai sauvé, mais tu le sais même pas, mais t'as rien compris. Tu comprends les choses par rapport à ce que tu vis. Comment est-ce qu'on peut envoyer un enregistrement? Comment on peut déranger les gens, puis ensuite envoyer un enregistrement? C'est pire que toutes les punitions de la terre, c'est pire que du Lashon Hara, c'est pire que du Motsi Shemra. Al-Zenemar, c'est marqué dans l'Amida. L'aminim velamal shinimatitikva. Tu appelles quelqu'un, tu le mets en confiance, tu l'enregistres et tu envoies les enregistrements aux personnes concernées. Tu veux mettre le feu?
Et après, on a le kissouille, et après on a la kippa, après on dit Hachem sefatay tiftar. C'est une Torah de honte. C'est une Torah de boue. Et sur ce, Am Israël aujourd'hui doit faire une énorme teshuvah. Le fait d'aider engendre souvent ce verset très connu, je dirais plutôt ce proverbe. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelette. Tu ne peux pas aider une personne dans la soie. Quand il s'agit de choses graves, c'est impossible. Mais toi, en tant qu'ami, tu vas aider. Vous voyez nos parents, vous vous rappelez de tout ça, mais ils nous aimaient au fond d'eux. C'est sûr qu'ils ont été des fois maladroits, mais ils nous ont éduqués. Pour éduquer la vie d'une personne qui croit être au centre de toutes les connaissances, il est évident qu'on va être maladroit. Mais non, on sera jugé, condamné et exécuté. Le pire, par des gens qu'on a voulu aider. J'ai juste voulu aider. Ouais, mais t'aurais mieux fait de pas te mêler. Mais j'essaie de t'aider parce que ce qui se préparait derrière toi, par ceux que tu prenais pour être des amis, était en train de t'assassiner. Et on est renvoyé dans notre cage, dans la souffrance de dire, mais en fin de compte, t'as qu'à crever. Entre nous, je parle pas des ennemis, je parle pas de terroristes. Je parle de nos bouches à nous, juifs, âme Israël, descendants des 12 tribus. Est-ce vraiment important de réagir comme on réagit dû à une émotion complètement frivole et démesurée? Hachem Ishmor V'Irachem. Mais le pire, parce que quand même le pire, c'est quand tes propres enfants ou ceux que tu as aimés comme tes enfants, comme tes parents, comme tes frères et sœurs, comme tes cousins, je parle de la famille proche, te tournent le dos du jour au lendemain, comme si tu n'avais jamais existé. La douleur prend donc un goût d'éternité et de remise en question sur toute ta vie. Et là, tu n'as plus qu'un choix. Et c'est là que le problème spirituel, d'ailleurs, et psychologique intervient. C'est que, à force de prendre des coups au niveau du cœur, tu finis vraiment par être blessé. Tu peux même rentrer dans une dépression. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Fermer les volets. Dans ce cas-là, toi aussi tu condamnes. Mais pas pour condamner l'autre, alors que tu aimerais tellement qu'on se prenne dans les bras. Tu condamnes parce que tu as peur de souffrir. Tu condamnes parce que si tu ne fais pas ça, tu peux en mourir. Comme dit le Talmud, des enfants peuvent tuer leurs parents, mais les parents en général ne peuvent pas tuer les enfants. Encore une fois, on parle de gens normaux. Combien c'est difficile? Combien c'est difficile? Combien de fois j'ai entendu des enfants qui m'ont raconté, mais mes parents, ils me détruisent, ils m'humilient, ils ont de l'argent, j'ai pas de quoi manger, ils m'aident pas. Ou le contraire. Même si, grâce à Dieu, de façon très générale, tout le monde s'entraide en Israël, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je parle de ce qui ne va pas. Je ne parle pas de ce qui va. De ce qui va, il y a beaucoup de choses qui vont bien en Israël. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais n'oubliez pas que quand on veut soigner quelqu'un, il faut appuyer là où il y a du pu. Et c'est ce cours que je voulais partager avec vous. Combien il est difficile, à la veille des slichot qui arrivent à grands pas devant nous, de dire, mais mince, où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui sur mes relations avec les autres? Parce que si tu rentres demander pardon à Dieu, en restant sur des positions si boueuses dans lesquelles tu ne fais que t'enfoncer dans ton orgueil démesuré, dans ton injustice personnelle, qui selon la Torah ne te donnerait peut-être pas raison, ou peut-être que oui. Fais attention. Parce qu'en fin de compte, non seulement le monde dans lequel on vit veut t'isoler, mais le pire, c'est que toi-même tu vas dire, oh, tu sais quoi, que plus personne m'appelle, laissez-moi tranquille, seul sur une île. Alors qu'on a oublié qu'on ne peut pas vivre seul. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. D'où l'importance de bien choisir ses amis. Et comme je vous l'ai noté en fin de compte, parce que je ne veux pas non plus durer des heures, avec ce cours qui me tenait à cœur personnellement par rapport à tous ces téléphones qui ne cessent de sonner, alors que j'ai pris quelques jours de vacances avec mon épouse, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem et ma famille, je voulais simplement continuer à vous dire, donc, on peut même trouver des personnes, on a juste voulu aider, et tout cela peut se retourner contre nous. C'est-à-dire que tu as voulu rendre service, tu as voulu être là, tu as voulu relever, et ça se retourne. Comme c'est marqué, Al tiftechu bin divim. N'ayez jamais confiance dans l'amitié des autres. Oula, ça ne veut pas dire ça. Al tiftechu bin divim, c'est le thème du roi David qu'on dit tout le matin, qui veut dire, quand tu as une personne qui te dit, je suis ton donateur, n'aie confiance qu'en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il peut te donner, demain, il peut te dire, écoute, ça me saoule, je veux donner ailleurs. Ou alors, tout simplement, arrêter. Parce qu'il ne peut pas.
Ne mets jamais ta confiance en solde. Voilà ce que je voulais dire, je voulais noter. Ne mets jamais ta confiance en solde. Arrête avec ces mots de « t'es mon frère dès que tu viens de le connaître, je l'adore, c'est comme ma sœur ». Non, arrête avec ça. L'amitié prend du temps, elle se construit avec des preuves et là où il y a de l'oseille, tu verras s'il y a vraiment de l'amitié ou autre chose. Ne mets jamais donc ta confiance en solde, tu vaux mieux que ça. Ne cesse de croire que les autres sont comme toi. D'ailleurs, c'est la première faille des personnes qui ont un bon cœur. C'est qu'ils sont persuadés que les autres sont comme eux. Tout comme lui, jamais il pourra faire du mal. Des fois, il est simplement simple d'esprit. Donc pour lui, l'autre, il est pareil. Mais il tombe de haut parce qu'il se rend compte que l'autre, bah, il a un cœur pourri. Et donc, mais c'est pas possible. On ne peut pas être comme ça. Mais comment on peut être comme ça? C'est pas possible. Oui, le problème, c'est que tu vis dans un monde de bisounours. Donc, fais et n'attends rien de personne, sinon tu souffriras parce que les gens changent. Comme je l'ai souvent dit, j'ai créé un proverbe qui s'appelle « Nous ne sommes que des chausse-pieds et pas des chaussures ». Vous savez ce que ça veut dire? Un chausse-pied, c'est celui qui permet à l'autre de pouvoir mettre sa chaussure. Il ne marche pas avec le chausse-pied, il continue à marcher tout droit. Aujourd'hui, il est très difficile de recevoir un coup de téléphone pour simplement entendre le mot « Papa, tu vas bien ?» Ima, tu vas bien? Mon frère, tu te sens bien? Mon cher ami, où en es-tu? Ce matin, juste avant de commencer mon cours, j'avais mon ami Shimon qui m'a appelé pour me demander de mes nouvelles. Juste de mes nouvelles. Et voir comment on peut compléter l'autre. Comment on peut apporter à l'autre quelque chose. Mais si tu ne veux pas souffrir, je te donne un conseil. Considère-toi comme un chausse-pied. Aide, parce qu'on te remettra tôt ou tard dans un tiroir, dès qu'on n'a plus besoin de toi. Comme le dit le Maseret Avot, tout ça, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des conclusions personnelles, je vais très bien ce matin et tout va bien, c'est juste pour partager avec vous des études, et puis en même temps, je vous partage ce que j'entends dans mes conversations, c'est impressionnant le nombre de shalom bayit, de destruction familiale, de... Waouh ! Pour moi, Machiar, ce n'est pas simplement celui qui vient rapporter le Beth Amikdash, à mon avis, il doit être psychiatre, il doit être blouse blanche le Machiar, sur un ramor blanc. Mais c'est trop, ça va trop loin. Il y a même des gens qui m'expliquent des choses. Leur son de cloche, ils ont déjà tort dans ce qu'ils disent, selon la Torah, pour dire à quel point le monde va mal. Mais à la fin, donc, je finis. Je ne vais pas non plus trop exagérer. Fais et n'attends rien de personne, sinon tu souffriras, tzadik, car les gens changent. Et très souvent, on t'appelle que quand on a vraiment besoin de toi. La famille peut être une fatalité, mais par contre, les amis, eux, sont un choix. Alors, choisis des bons amis, des personnes qui ont de bonnes midotes et au cœur de chair et non pas au cœur de pierre. L'ingratitude des autres à notre égard nous tue de l'intérieur. À nous, maintenant, de ne pas regretter nos mitzvot. Et ça, c'était la finalité que je vous avais notée. C'est que le Yetzer Hara, il se régale de toutes ces disputes, de tous ces conflits, de toute cette haine, de toutes ces critiques, de la jonarade, des coups de couteau dans le dos, des complots. Se régale le Yetzer Hara, mais, comme je vous l'ai noté ici, il y a une chose que tu dois jamais faire dans ta vie. T'as fait du bien, ne le regrette pas. T'as tout donné à tes enfants et te donne le dos, ne le regrette pas. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout, et Dieu aime les gens qui sont capables de surmonter ces petites murailles qui paraissent si grandes à nos yeux parce qu'on était trop près du problème. En prenant du recul, on se rendra compte qu'en fin de compte, il n'y a aucun juif mauvais. C'est tout simplement le Yetzer Hara qui a pris trop de place dans son cœur. Shiniskele Yom, sa mère, l'école à Israël. Je sais que ce shiur est un peu bizarre. Je suis dans ma chambre ici, donc je ne suis pas au bureau. Et ça me tenait à cœur de l'avoir écrit hier soir, très tard, jusqu'à 1h du matin. Et je voulais le partager avec vous. Bezrat Hashem, parce que de la place que moi j'occupe, on ne m'appelle pas pour me dire tout va bien en général, on ne m'appelle pas pour me donner de bonnes nouvelles, on m'appelle pour me dire constamment... Rav du tout. Et quand je vois ça autour de moi, que je vois que c'est des appels, je suis plein de schlambé jusqu'au mois de novembre, fin novembre. Quand je vois à quel point il y a des problèmes dans les couples, à quel point, merci pour bonnes vacances, j'essaye, Bezrat Hashem. Mais vous voyez, il y a encore trois cours à faire. On est là, on étudie. On a commencé ma sechet Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Shiniske Lagdil Torah Ladira, Dieu aussi est en vacances avec nous. D'ailleurs, c'était mon message final. Pour ceux qui sont en vacances, prenez toujours Akadosh Baruch Hu avec vous, parce que sans lui, il n'y a pas de soleil dans la vie, même si on peut brûler sous le soleil qui est au-dessus de nous.
mais celui qui est dans notre cœur, lui, c'est la Shrina. Même en vacances, Dieu est avec nous. Kol tov velitraot, toda rabba Rachel d'avoir acheté ce shiur, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, toi et ton mari, et toute ta famille. Bezrat Hashem, yeshuot venechamot. Et voilà, ça, je ne sais pas comment ce cours sera reçu ou perçu. Il est négatif, il est triste. Non, je suis juste dans la prévention, parce que on est en train de perdre un temps dans la souffrance, dans les disputes, dans le fait de ne pas se parler, et ce temps ne reviendra plus jamais. Et au contraire, mieux vaut être prévenu que de perdre son temps. Rachav Atzlacha.